Trop gras, avant ou après la pousse des dents, de nombreuses idées reçues circulent autour de l'alimentation de bébé. Nous allons les démentir ensemble. Il faut ajouter de la matière grasse dans les repas de votre enfant, chaque jour, dès 4 mois, et même dans les petits pots industriels. Les oméga 3 et 6 contenus dans ces matières grasses participent au bon développement cérébral de l'enfant. Privilégiez l'huile de noix ou de colza qui contiennent ces oméga. On pense souvent que la cacahuète, l'œuf ou encore le kiwi sont à introduire plus tard, mais c'est faux! Au contraire, faire goûter tous les aliments, dont les allergisants, dès 4 mois permet de limiter le risque d'allergie. Petite astuce, introduire dès 4 mois et régulièrement la noix cajou ou la cacahuète sous forme de pâte ou de poudre dans les purées. Il est recommandé d'introduire les textures dès 8 mois et les morceaux fondants dès 10 mois. Bien évidemment, il faut observer son enfant et s'adapter à son développement. Même si l'enfant n'a pas de dents, il peut broyer les aliments avec les muscles de la bouche, les gencives et la langue. Maintenant, l'alimentation de bébé n'a plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blog des petits chaperons rouges.